Parce qu'en fait, là. L'envahisseur m'a fait louper des objets. Oh putain de merde. Oh, je fais une connerie, je crois. Oh putain. Monte, 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 monte. Je sais qu'il y a un esprit aussi à invoquer ici. Enfin, plus maintenant parce que j'ai fait le boss. Mais je crois qu'il est là-bas, là. Et c'est le paladin, Leroy. Ah ouais, top ça. Oh putain. La mauvaise flèche quoi. Gavé, toi. Aha. Non mais oh. Ah par contre j'ai pas débloqué le forgeron en fait. Faut que je le débloque, merde. Ah il est là. Faut que je débloque le forgeron, va falloir qu'on revienne, repasse par le dessus. Oh, ok. Je veux juste débloquer le forgeron parce que ça c'est important. Je me rappelle plus du chemin. Voilà.
Forgeron. Peut-être là. Non. Un doute, je me rappelle plus. Je me rappelle plus du tout. Wow. Je fais une connerie, mais bon, je sais pas où je vais. Ah, hey, j'ai trouvé. Enfin, logiquement, on passe pas par là, mais on peut. Cool. Ah merde, il y avait un objet ici, fait chier. Je sais pas ce que c'est. Logiquement, on passe pas par là. Squelette Cthulhu. Be gone with you. You spoil my focus. Je suis sûr qu'ils ont dû enregistrer la voix par téléphone en fait. Yeah, le nouveau feu qui n'existait pas avant. Avec la forge de New Londo, et il a parlé d'Isalis, merde. Forgeron, déjà ça. Oh mon dieu. Allez, on va se casser d'ici. Enfin, on va se casser d'ici, on va essayer d'avancer un peu. Lumière requise.
Avant, je connaissais le chemin par cœur. Genre, je pouvais le faire dans le noir. Maintenant, c'est horrible, quoi. Là, on tombe. Salut Léonard, après 3 ans je te refais en stream. Ah ouais quand même. Ah mieux vaut tard que jamais. Ah ok c'est con ce que je viens de faire. On va tracer, je vois pas pourquoi je perds du temps comme ça, on va juste tracer. De juste descendre et atteindre ce... La grande faux. Ah, elle est là, la grande faux. Je me rappelle plus. Ah merde, on est là. Oh. Ah, je vais pas passer par là. Ah, c'est de la Dex. Faudrait que je regarde s'il n'y a pas des lances de force. Plus trop. Ah. Oh mon dieu. Lâchez-moi. Oh mon dieu, on est tellement mort. Ah non, c'est bon. On va te suivre avec Dark Souls 2, me semble. Ouais, sûrement, ouais. 2014-15. La bonne époque à découvrir les Dark Souls. C'était beau. Ok, bon, maintenant, allez. Kassos, trace. Trace, trace, trace. Là. On va là. Ouais, on fait pas attention. À droite. Après, on va là. Oh, putain, bon, toi tu fais chier, toi. Voilà. On continue. On récupère ce qui est à nous. Et voilà. Ah merde, y a lui. Attends. D'abord, on va récupérer le feu. Wouh! Yes, on est bon. Faut vraiment que je récupère une lampe. Je crois qu'on la récupère quand il nous pousse, je sais plus. Oh, idiot du village, t'es ouf, t'es là. Ça va? Good day. What are you doing in the catacombs? Are you a cleric or something? Yes. Yes, I guessed as much. Je suis un cléric. Pousse-moi. Tu faisais presque du lore narratif. Bah oui, il y avait c'était la magie de l'époque en fait quand les souls sortaient. Il y avait beaucoup à raconter.
Et les gens étaient quand même... comment dire... appréciés à écouter l'histoire. Mais maintenant, hein... maintenant, c'est rager sur le jeu ou alors faire du PVP. C'était beau. Ah ah! Alors, lanterne, on va la mettre à la place du bouclier, tiens. Sinon, je vais être trop lourd de toute façon. Yes! Wouh! Alors, je veux d'abord. Ouais, enfin, non, on va parler à madame après. Oh la vache, les dégâts. Merde. Pourquoi tu ne rages pas sur le jeu? Tu ne lances pas les noobs à tour de bras. Ah. On va faire du PVP, mais pas maintenant. Faut déjà que je choisisse l'arme que je vais utiliser pour ce personnage. Je sais toujours pas quoi utiliser. Il faut quelque chose de force, mais je sais pas trop quoi. You're no hollow, are you? Thank goodness. Please be careful. There are two fierce hollows not far from here. They were once brave knights, my former escort. Let such strong spirits be hollowed so. Dans le noir, t'as ça qui avance. Oui, on va s'en charger, madame. Et voilà. C'est fait. De rien, madame. Yes. Ah, restauration. Je connais pas assez Bloodborne. Enfin, je le connais, mais pas par cœur. Donc, ça serait un peu dur que de raconter l'histoire. Ouh, regardez-moi ça. J'ai vu un signe. Ah ah. Serviteur des tombes. Donc on a notre monde corrompu, je crois. Logiquement, oui. Ouh, on est bon. Je sais pas à quelle profondeur on va aller par contre, parce que... Oula. Parce qu'on est un peu limité en fait. Salut, bro. Ah, carrément. Ah oui, c'est parce qu'on lui a dit qu'on était un cléric, je crois, pour ça. Est-ce que t'es mort? Apparemment, non. Il est pas mort. Il doit être en train de faire le tour. Prochaine vidéo? Si, il y a Jurassic World. Que j'attends.
Ha. T'étais un enfoiré, hein, quand même. Ouais, Jurassic World, je l'attends. En gros, j'ai pris Dark Souls pour patienter, en gros. Après, ça va être différent, c'est sûr, parce que c'est un jeu de gestion et tout. Mais perso, je kiffe ça, donc... Battlefront 5 en narratif. Battle 5. Y'a quoi là? Je me rappelle plus. Eh merde, c'est l'autre côté. Ah oh, oui, je m'en rappelle bien là. Ah oui, il y a la braise, je crois, à récupérer. Oh mon dieu, tout ce qu'il y a. Oh. Est-ce que je peux... Okay. Mais bon. J'ai pas vraiment de bombe, rien. Je me rappelle plus où est la brèche. Je crois que c'est celle-là. Là. Oui, le chaos s'évanouit, on sait. Yes. Massacrez-moi, oui. dans le nouveau Battlefield, ouais, il va y avoir une histoire. Il y a un mode campagne. C'est dans le nouveau Call of qu'il n'y a pas de campagne. Ok, c'était de quel côté du coup? Je me rappelle plus là. Non. Si. Hop! Je suis tombé directement. Attendez. Ok. Bon, j'ai récupéré les objets, c'est ce que je voulais faire. C'est déjà ça. Alors... Portation, liche, feu. On va embraser le feu, comme ça on aura 20 estus, ça sera fait. Ah, ça va pas être très compliqué, hein, l'histoire, ça c'est sûr. Faut redevenir humain? Ouais, faut redevenir humain pour embraser. On peut débloquer le serment de Gwendoline. On va faire ça, tu vois. Téléportation. La lune noire. Putain, j'ai faim, faut que je fasse une pause. Gwendoline. This is the tomb of the great lord Gwyn. Tarnished it shall not be by the feet of men. If thou art a true disciple of the dark sun, cast aside thine ire. Hear the voice of mine self.
Gwyndolin. Gwyndolin. Kneel before me. Oui, Loki. O disciple of the Dark Sun, thou hast journeyed far. Hear my voice. If thou shalt swear by the covenant to become a shadow of Father Gwyn and Sister Guinevere, a blade that shall hunt the foes of our lords, then I shalt protect thee, safeguarding thy person with the power of the Dark Moon. Ah non, on va tuer les gens qui tuent Guinevere en fait, je crois. On va envahir à Anorlando, si je me rappelle bien. Very well. Now je sais plus. A blade of the Dark Moon hunteth the enemies of the lords by the power of the Dark Sun. Yes. 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 Gwyn a conscience de son physique sur repoussant et créer l'illusion d'une sœur Guinevere pour l'aider à garder Anne Orlando et elle est maintenant exposée un grand jour, on serait pour conseiller avec ça. Oh waouh! Tu mets l'anneau, ça. Ça cherche. Ok. Et on peut. Alors attends. Je suis pas du tout équipé pour le PVP par contre. Donc je vais sûrement me faire rétamer, mais. Genre ça cherche constamment, c'est cool. Où est-ce qu'on va aller? Profondeur. Paroisse. Sympa ce nouveau système, c'était pas comme ça. Merci Zod pour le follow. Bienvenue. Alors par contre, faut que je le remette l'anneau. Ah non, mais non, c'est parce que là je peux pas envahir. Faut que je sorte en fait. Faut que je sorte. Voilà. Donc du coup, je suis un peu confus. L'anneau, il sert à envahir où? À Anorlando, je pense. Répond à la peine de Gwendoline, le soleil noir. Ouais, je pense que ça sert à envahir, à protéger Anorlando. Et la bleue, ça envahit partout. Gull, ça fait déjà 2 mois, Gull? Sérieux? Merci beaucoup, blablabla, ce joli message. Très joli message. Merci beaucoup, Gull. Je t'aime. Je l'ai fait sur ta chaîne? J'ai un doute. Faudra qu'on voit ça après. Faudra que je te fasse chier sur ta chaîne. Merci beaucoup, Gull. Je t'aime. Tagazok 2. Tu verras. Tu verras. Pourquoi j'envahis personne? J'envahirai des gens, moi. Chargement du coupable. Ah, elle est là. Yes. Attends, faut que je te parle. Ça va? Hello. I will never forget
debt which I am deeply indebted, for I cannot thank you enough. In case you have not heard, I am Rhea of Thoreland. Mais Orion, tu me détestes. I only wish there was some way I could help you. But I am inexperienced and I only know the art of miracles. If that could be of any help, speak to me. Yes. Yes. Donne-moi tes magies. Ça. Oh, putain. Hein? Quoi? Ah les putes. Ils ont rajouté la colère des dieux dans son magasin. Soin majeur peut-être que aussi ça y était pas. Avant, je me rappelle, colère des dieux, c'était extrêmement dur à récupérer parce que c'était la récompense quand on était au maximum dans... Oh, les cloches. Dans un serment. Je me rappelle plus lequel de serment. Mais je crois que ça, c'était la récompense, en fait. Oh, putain! Ça y est, on y va. Tu me détestes tellement que j'ai pris un an d'abonnement sur ta chaîne. Je sais que tu me détestes. Tellement. Oh putain, la connexion, quand tu veux. Hein. Oh la vache, tu vas pas me dire qu'il y a plus personne sur le jeu quand même. Peut-être qu'il y a personne dans mon niveau. Daylang me déteste. C'est de la perte d'image. Enfin, c'est lié à la connexion. Dying Light, jamais joué. Ou alors tu veux dire Dark Souls. Dark Souls, j'ai pas fini encore. Bon, on va laisser ça comme ça. Enfin, on va laisser l'invasion tourner et on va continuer. On va aller où? Ce qui fait chier, c'est que je voudrais ces magies en fait à elle. Avant qu'elles disparaissent, on va récupérer ces magies. Alors. Ça c'est fait. Talisman, je sais. Ouais, j'en ai un. Bénédiction, ça voilà. Merci. Ah, les mottes. Priez, oui. Prêter serment. C'est quel serment, elle? Je la connais déjà, genre. Je meurs que 15 fois par boss. Ça va, c'est une bonne moyenne, j'avoue. Il y a pire. On va aller où du coup? On va aller dans la forêt peut-être. On va peut-être faire la forêt. La forêt, ça doit être un super gangbang en fait. Ça doit être horrible. Ça doit être un méga gangbang la forêt. Enfin.
renforcer... On peut renforcer la hache ou pas? Ah ah! Yes! C'est bon? Yes. Ok. Le remaster avait pas une zone spécifique pour le PVP? Non. Je pense pas qu'ils aient... Qu'ils aient fait quelque chose en plus pour le PVP. C'est juste plus facile parce qu'il y a plus de monde et tout ça, mais... qu'est-ce qu'on fait vraiment là? J'ai pas envie de faire la forêt en fait. Quoi que si, ouais, forêt. Forêt, on va voir le carnage. On va voir le carnage. J'ai l'impression que dès que le multicop se débloque, ça drop, alors que le code du stream n'est pas censé être utilisé par le jeu. Ouais, normalement, non. Ok, one shot. On va faire l'hydre. Le truc bien, bien chiant à tuer. Et on passera par l'échelle. Comme ça, on n'a pas besoin d'ouvrir la porte de l'autre, là, l'Artorias. Tu le trouves, ton monde, ou non? Invasion du monde du coupable. Ah. Invasion du monde du coupable en tant qu'esprit vengeur. Yes, on est tellement pas prêt. On est tellement pas prêt pour le PVP. Bumblina, je viens pour tes fesses. Putain, tu peux être... Oh non... C'est quoi ça? Quoi ce truc blanc? C'est l'esprit? C'est un esprit? C'est quoi? Putain, on va aller d'abord là-bas. Putain, je redoute le pire, je vais me faire défoncer. Salut, ça va? Oh la vache! Les dégâts, s'il te plaît! Waouh, j'arrive pas. Wouhou! Kiff! Regarde, je peux me soigner. Ça marchait pas comme ça avant. Ah! Le plaisir de Dark Souls 1. Yeah! Elle est super bien équipée, elle, par contre. Les dégâts de la lance, quoi, mais laisse tomber. Les dégâts de la lance sont abusés. En plus, elle a la lance en...
Elle a pas la lance en feu, elle a la lance en... Je sais pas quoi, je sais plus le nom. Mais plus on met d'humanité et plus ça... Et plus ça fait de dégâts, elle peut me two-shot en fait. Sachant de voir des bons joueurs Dark Souls, je mate un peu Bandai sur Dark Souls, c'est triste de mettre... Bah c'est vrai que maintenant, bon, le jeu il est vieux quoi. Ouais, ça va, je voulais juste tester un peu le PVP. C'était obligé que je me fasse défonce. Ah oui, j'ai toujours l'anneau. Ça c'est bien, l'anneau marche tout le temps en fait. Ça c'est plutôt cool. C'est plutôt sympa. Ok, on y va. On y retourne. Venez. Attention. Attention. Toi aussi. Merde, trop loin je crois. Les images? Comment ça les images? Ah par contre j'ai pas envie de me faire... Non putain je la déteste. J'arrive pas à voir le fond de l'eau, il est où le fond de l'eau? D'où? Ça y est, le bouclier levé, merde. Ah, ah. J'arrive pas à voir le fond. Oh, merde. Je suis sur Switch. Je suis sur Switch dans les toilettes. Je vois que dalle. Trois têtes. Ah! Non, je déconne, hein, on est sur PC. Hein. La Switch, je me rappelle plus si c'était du 1080. Non, mais sinon je suis sur PC, hein, je déconne. Mais, je crois que la Switch a aussi 1080, mais il n'y a pas du 60 FPS, il n'y a que 30 FPS, je crois. Ah ouais, non, mais là, je vais galérer, là, sans flèche, en fait. Attends, j'arrive, bouge pas. Ah, ça y est, je vois le fond.
faut des flèches. Putain, il me faut des flèches. Attends. On va prendre l'arbalète. On peut pas se mettre en première personne. Non, mais de toute façon, le faut pas se leurrer. La version remaster du jeu, c'est les textures qui sont mises en 1080, c'est tout, hein. C'est tout, hein. Pas la Dex. C'est ici. Ah putain, ok. Je vais faire ce coup-là, vas-y. Ah merde. Ah putain, il est où le bord? J'arrive pas à voir le bord. Yeah. Oh non. Je vois que dalle avec les effets. Yes. On fait à la con. Il a 20 si on possède Dark Souls, le premier. Prepare to die edition. Ouais, il a 20€, moins 50%. Bon. À 20€, ça vaut le coup. À 20€, ça passe. On va pas faire le DLC maintenant, par contre. Ben non, mais je peux pas déjà, parce que j'ai pas l'objet. Cher pour un pack de textures. Ah. Ah. Moi je vais arrêter de parler de ça parce que sinon je vais me faire jeter des pierres à chaque fois. Chaque fois je dis du mal du remaster, il y a toujours quelqu'un. Ah là, t'aimes pas, t'aimes rien, t'es méchant. Ok, donc maintenant on va se faire envahir à fond, je pense. Je pense que ça va être carnage. À une époque, on rentrait dans la forêt, on pouvait plus en sortir déjà, parce qu'on se faisait envahir directement en fait. Ah oui, il y a les chats là. Con de chat. Oh putain! Qu'est-ce que je disais?
Non, c'est du peer-to-peer le premier. Mais il n'y a plus le jeu, il est plus sur Steam. On peut plus l'acheter le jeu. Oh merde. Ah! Bonjour. Ça va? Oh oh! Tu vois, moi je te dis que je te fais. Oh! Qu'est-ce qu'il y a? T'as un problème? Qu'est-ce qu'il y a? T'as peur? Ah oui, évidemment, t'as peur. Eh oui, t'as peur. Oh putain, t'as de la chance, les chats arrivent. Ouh. Ah, t'as de la chance. T'as le lag avec toi. Oh putain, faut que j'arrête de faire ça. Ah! Pas le phishing backstab, mes couilles. Par contre, j'ai plus d'astuces que toi, donc tu vas être dans la merde. Le mec, il essaye de backstab tout le temps, en fait. Ouais, moi aussi, je peux le faire. Hein. Ça, c'est le PVP de... Ça, c'est le PVP de Dark Souls, ça. C'est bien, hein. Ça, c'est PVP Dark Souls 1. Regarde, tu le connais celle-là? Je la connais bien celle-là. L'instant backstab. Regarde, tu la connais celle-là? Je te la prends moi si tu veux. Oh putain. Oh la vache. Yeah! Ça va, à 10 ans j'étais déjà sur le jeu, c'est bon, j'en ai rien à prendre. S'il y a un mec qui essaye de pêcher le backstab sur la droite, il suffit de faire un pas sur la gauche et de faire R1. Ça marche à tous les coups. Et le mec, il a pas compris. Il l'a fait 3 fois à l'affilée. Hein. C'est magnifique. Ah, ou le chat. Ah, ou le chat. On est reparti. Putain, qu'est-ce qu'ils sont relous. Oh la vache. Oh merde, j'ai plus de vie. C'est pas très compliqué le PVP dans Dark Souls 1. C'est vraiment pas... C'est pas dur. Hein. Il suffit de connaître quelques techniques et... Et après c'est dur de trouver des gens qui jouent bien en fait. La plupart des gens qui jouent les genres qui sont très bons en PVP, genre mieux que moi, parce que moi je suis pas... Je connais les techniques mais je suis pas ultra fort quoi. Ils vont jamais lock la plupart du temps pour éviter ce genre de problème en fait. Genre le mec il me tourne autour, moi je lui tourne autour, c'est moi qui gagne quoi. Bon, je voudrais finir la forêt, puis après on se casse. Je vais juste récupérer tous les objets, je sais qu'il y en a beaucoup. Merde, mais on est dans quel... Je suis dans quel côté de la forêt là?
Ah oui, c'est le serment que je veux récupérer. Il y a ça aussi, ça c'est une braise. Ah la vache. Bon, faites chier là. Vous avez trop de vie. Bah en fait c'est. Enfin c'est facile, enfin dans Dark Souls 1, vu qu'il n'y a pas de zone, tout ça. Si par exemple on invoque une personne avec une marque sur le sol là, avec ça là. Enfin pour moi c'est comme ça, hein. Après les gens ils font ce qu'ils veulent. Si moi j'invoque un mec qui a laissé sa marque rouge, je vais pas me soigner, rien. Parce que bon, j'invoque pour du PVP quoi, pour faire un duel. Mais après si c'est le mec qui m'envahit, j'ai rien demandé quoi, je le défonce, je bois l'estus, je sniffe l'estus, je m'en fous quoi. Il y a même des gens qui deviennent fous, disent ah j'envahis les gens, ils sont en train de se soigner. Bah ouais mais tu les envahis aussi. Faut pas être con quoi. Le mec il t'a rien demandé, tu l'envahis pour le tuer quoi. Chasseur Sylvestre. And here, if mine senses fend, I shall say, thou shalt, but thou must, the clan durst not in any attempt to double cross. Mais ce que je viens de dire, il y a des gens qui pètent un câble, hein, qui disent putain mais j'envahis, les mecs ils soignent, c'est des connards et tout, c'est des. Ils savent pas jouer. Ouais mais. T'envahis la personne quoi. Tu peux pas leur dire de pas soigner, c'est leur jeu. C'est toi l'intrus, ils ont rien demandé. Ils t'ont pas invoqué pour les enculer quoi. Oups, excusez-moi. Bah merde, il est où ton anneau? Wow. Ah, ça. Du chat qu'on fait à tous les lieux, ça manque. Lui. Est-ce que tu peux me donner. Est-ce que tu me vends des trucs? Je me rappelle plus. You'll be cool. Non. Le mec m'avait insulté de noob car. Défoncé, j'ai utilisé l'astuce et la game. Tombé dessus en traître. Je sais plus ce qu'on peut récupérer avec eux. Je crois que lui, plus tard, il peut donner l'anneau du ninja, je crois. Je m'en souviens plus. Ah, on est encore... Moi aussi, j'en ai reçu pas mal, hein, des trucs d'insultes. Hein. Moi, les gens, ils aimaient pas que j'utilise l'armure du géant. Genre, hé, hey, gros noob, tu utilises l'armure du géant. Ok. Si tu veux. J'utilise un peu l'armure que je veux aussi. C'est chiant. Je pense qu'on a tout. Je pense qu'on est bon.
Ah non, 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 il manque l'arc noir, là. De Pharis, ou je sais pas quoi. Faut la tuer, par contre. Est-ce qu'elle fait partie des gens de la forêt? Ah oui, c'est sûr, les gens, ils dès que tu utilises une... Ah oui, c'est elle, il faut que je la tue. Merde. Ah, c'est pas grave. J'ai pas vraiment besoin de l'arc. On n'a rien vu. Ce saut-là, je l'utilisais pour tuer les envahisseurs. Parce qu'à chaque fois, ils se loupaient. Bah, apparemment, karma. Apparemment, karma. Non, non. Ah, ok. Attends. Faut que j'aille récupérer mes âmes d'abord. Parce que la plupart du temps, quand les gens te poursuivent, ils voient que tu sautes, donc ils se disent eh, on va faire le saut aussi parce que le mec il saute. Il va se suicider quand même. À chaque fois, il se loupe. C'est le... Ouais, c'est le même dans le 3. Le forgeron. Le mec, il est invincible. Avec le nombre d'âmes qu'on lui donne à chaque fois. Oh merde, putain. Dans le deuxième, c'est pas le même. Récupérons nos âmes. Je sais plus son nom, c'est vrai que je sais plus son nom. Ok, on est bon. Dans le 2, oui, dans la ville, là. C'est un noir, c'est un black, quoi. Dans Dark Souls 2. Et on trouve sa fille, aussi. Enfin, je crois que c'est un noir, mais en fait, il est... c'est une carcasse, le mec, donc peut-être que... Juste la couleur qui est devenue carbonisée. Ça marche là? On peut envahir en carcasse. Apparemment. Ah, ça marche, ok. Cool. Oula! Quelqu'un a activé le feu. Invasion d'un autre monde, merde. Ok. Yeah! Yes! On va voir. Ugh. Je suis dans la forêt. Bonjour, ça va? Bonjour. Ah merde. Merde. Mais non.
D'où? Comment? Comment c'est possible? Ah, j'ai loupé le paring. Dans le 3, le géant est mort, ouais. Ah, mais ils sont en train de gangbang des gens, en fait. Ah, ok. Ah oui, mais c'est vrai, putain, ça revient, ça aussi. Il y a des gens qui invoquent des esprits. Et comme ça, ils sont deux, voire trois. Et ils restent dans la forêt. Et ils tuent des gens. C'est beau. Dark Souls, quoi. Enfin, moi, ça me dérange pas. Hein. Ça me dérange pas plus que ça. Par contre, on va enlever l'anneau parce que sinon... Balance. Seulement entre amis. Moi, dans le 3, je l'ai fait de temps en temps. Enfin, non, c'était pas genre... Quoique, non, oui, non, si. C'était sale aussi. Non, c'était sale, non, j'avoue. Je l'ai fait dans le 3, c'était sale. Mais c'était drôle. Mais bon, après, quand on envahit, il faut savoir à quoi s'attendre. Hein. C'est normal. Moi, quand ça m'arrivait, 1 contre 3, je trouve ça cool. Je trouve ça... Il y a du challenge. Donc du coup, on peut changer de serment quand je veux. Genre, je fais ça. Et je peux repasser chasseur. C'est ça. Ouais, c'est bon, ça marche. Okay. Donc je peux changer quand je veux. Tu veux pas me vendre des trucs, toi? Hello there. Ah oui, lui, il est parti dans les machins. Les mêmes marécages. Bon.